Bonsoir à toutes et à tous. On ne sait jamais ce que nous réserve une rencontre de football. Et c'est d'ailleurs pour ça. Que ce jeu nous passionne tant, je commenterai ce match avec l'homme que le monde entier nous envie, Omar Da Fonseca, et nous allons vous faire vivre toutes les émotions de ce match, le Paris Saint-Germain contre Liverpool. Et oui, on est là pour discuter, crier, applaudir, c'est ça le football. Le football, sa parole, c'est pas du football. L'occasion de prendre l'avantage et ça part fort avec ce but d'entrée de jeu, c'est prometteur pour ce match et les voilà tout de suite dans le rythme de la rencontre. On revoit bien cette frappe, ce n'était pas forcément le plus facile de jouer le poteau rapproché, je trouve que c'est très bien vu de sa part. Ouais, bonne anticipation, c'est bien défendu. Et le ballon est finalement intercepté. Et l'action continue, c'est une bonne séquence. Le centre ne donne rien, intercepté sans problème. Le ballon change de camp, c'est contré sans problème. Ça sort, la touche pour Paris. Et oui, l'égalisation viendra avec la patience et sans se précipiter. Le tir peut-être pour égaliser. Et voilà, cette action se finit de manière assez inoffensive avec un ballon capté sans trop de problèmes. Regrettable, parce qu'à cette distance, ça doit faire but. Ouais, ballon récupéré, c'est bien défendu. Face à face avec le gardien. Et le face à face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Ouais, bonne intervention là. Liverpool avec le ballon pour tenter quelque chose. Oui, c'est bien joué, mais toujours un manque de réussite. C'était surtout l'occasion en or de revenir à la hauteur. Allez, le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Allez, le ballon qui sort, la touche pour Liverpool. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu.
Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Ballon qui est sorti, remise en jeu pour le Paris Saint-Germain. Bien défendu, sans faute. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Ouais, c'était assez prometteur, mais la contre-attaque ne va pas au bout. La perte de balle de Liverpool. Le PSG là qui peut se projeter dans le camp adverse. Le centre, il y a du monde. Et la frappe peut-être. Quel arrêt splendide. Énorme réflexe. Et oui, en plus à cette distance, c'est grandiose. Alors, un changement côté Liverpool. Oula, rien ne va dans cette frappe et ça sort donc en touche. Une annonce pour monsieur Terané Mehdi. Vous êtes attendu au point de haut, porte 26. Ça joue, dit l'arbitre. Avantage pour Liverpool. Oh, c'est un bon ballon, ça. Ah, le bon réflexe, là. Coup de pied arrêté, joué en deux temps. Et le centre dans la boîte. Attention, c'est pas terminé. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Et le face-à-face à venir. Et oui, le but. Les voilà maintenant un peu plus à l'abri avec ces deux buts d'avance. Quel bombasse il vient de vous mettre. Ça va tellement vite que personne ne peut intervenir au centre. Et l'action continue, c'est une bonne séquence. Olé, le bon mouvement. Et le gardien s'illustre bien. Voilà, c'est joué court. On cherche le second poteau. Et très bonne prise de balle sur ce centre. Le ballon n'a pas bougé de ses gants. Et le ballon change de camp. Oui, bon geste défensif, touche à suivre. Sort du terrain. Là, il y a un changement là pour Liverpool. Allez, il faut lever la tête maintenant. Et peut-être le but pour revenir. Oui, bien fait de la part du gardien. Et le ballon rendu à l'adversaire. Il y aura au minimum 2 minutes de temps additionnel. Et une bonne contre-attaque peut-être. La fin du match donc avec le coup de sifflet final et c'est une victoire pour le PSG. C'est une victoire assez nette avec ces 2 buts d'écart. Le genre de victoire qui fait du bien à tout le monde. Et voilà, le coup de...